Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette partie 2 de la route des vacances. Et donc cette fois-ci, on va faire les choses bien. Oui, bien sûr, je vais pas partir avec une team où il y a des persos qui sont en exploration. Cela va de soi. Donc, on a dit... magique en couverture. Donc pour l'instant on va rester focus sur le feu. D'accord. On est d'accord sur ce qui vient de se passer ou comment ça se passe? Bon, on va aller sur le seigneur des bêtes en attendant. Pas de limite, pas d'objet, deux chimères ou plus. Bah, ça va être compliqué cette histoire. Ouais, c'est comme si ça avait une AOE de dispel en fait. C'est chiant. Bon, le gardien pour C. Mes comptes 3, 4, 5, 6, 15 millions de points de vie. Je sens bien du dégât.
Ouais. Une physique, ça paraît être trop son truc, quand même. Hein. Passer sur la sur le magique et c'est après il tape sur le physique. Alors DSSD, DT, BS. Que j'ai jamais fait le SDF. Ah zut, contempler mon véritable pouvoir. Ah, un petit coup de stop, c'est bien ça. Là, c'est mieux la physique. Ah ben non.
Ben, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Montre-moi les stats. On est d'accord, je peux encore utiliser de limite, hein. Consommer celle de Sakura, mais c'est pas pour faire ce clip. Alors, est-ce que je te tue là? Ouais, je te tue. Ok, bon, c'est pas grave. Mais bon, au moins dans l'idée, je sais que. Allez, le petit max 5%, excusez-moi. Les sinus en gauche, je sais pas du tout. Ça vaut comme. Après. Bon, et on va retourner donc sur la saison sans dessus-dessous.
Bon, on va repartir là-dessus et cette fois-ci, on va éviter de faire du dégâts de feu en fait trop. Ça vient de là l'histoire du debuff et ouais, du debuff du full qui enfin, du de la dissipation même j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Donc là, je vais essayer de faire une strat, mais c'est pas dit que ça marche. Hein. C'est joli tout ça.
Allez, on va juste faire le passage. Voilà. Pouf, voilà, ça c'est fait. Bon voilà, maintenant qu'on a passé son palier des 30%, on peut taper feu pour... Mais pour du coup obtenir l'objectif, bien sûr, déjà de prime abord. Il dit pas d'objet, ok. On peut faire aussi avec de la magie. Là, c'est la partie chiante. Celui-là, il est vicieux de boss.
Et oui, je fais une quatrième fois, tout à fait. Je crois que j'ai réussi à tout faire, malgré ce côté très casse-pied, hein, dirons-nous, de cet adversaire. Et un gros merci à mon unité alliée, bien sûr. Hein. Ça m'a permis de carry tout ça. Bon, le défense de 20% n'était pas forcément nécessaire, mais bon. Dans l'idée, on a fait le full objectif. Donc voilà, pour ce combat-là, donc comme ça a pu le voir, les dégâts de feu, il fallait faire qu'une fois passer la barre des 30%. Et en le faisant sur 4 tours consécutifs, attention, c'est consécutif, hein. C'est pas en faisant 4 dégâts de feu sur un même tour que ça va permettre de passer justement du côté où ça ne se met plus de réduction des dégâts subis. Donc très important à savoir.
Oui, éviter les dégâts de feu avant, parce que sinon, eh bien, ça va faire du 60% de dégâts sur tout le monde. Et en plus, ça va retirer tous les buffs et tous les buffs qui étaient présents, donc autant dire que ça sert plus à rien. Donc voilà. Bon, après, ça peut voir, donc ça peut mettre du stop. Donc, avoir un petit personnage qui peut dispel et ou en même temps mettre une immunité à ça, ben c'est bien. Le gardien, donc le seigneur des bêtes, lui, c'est se passe en deux temps son combat. Donc la première où ça se bloque une fois passé, c'est 50%. Et puis ensuite, après, c'est le vrai combat avec tout ce qui va bien. Donc ben voilà. Donc on a fait le tour de tout ça. Maintenant. Voilà, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance si vous n'avez pas encore finalisé tout ça. Donc sachant que c'est dispo jusqu'à jeudi. Donc il reste quand même encore un poil de temps pour finaliser tout ça. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous redis à bientôt tout. La portez bien.